Eh bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe. Et oui, et aujourd'hui c'est pour vous présenter le petit skin Deluxe Banshee qui est arrivé. Et oui, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et bah du coup, on a notre petite Banshee, et oui. Donc là, on a juste la moitié du haut, donc je vais vous faire voir un petit peu sa robe déchirée, parce que c'est une coquine, elle a des portes jartelles en plus. Donc vous voyez déjà un petit casque plutôt joli, mais non non, le skin Deluxe est vraiment très très beau. Donc vous voyez en plus, je crois qu'elle pointe un petit peu. Et on a le super sigil, et oui, le sigil de Banshee. Donc bon, c'est pas le plus fantastique du monde, mais il est sympa, et puis bon, voilà, pour l'occasion, je voulais vous le mettre quand même. Donc on va aller faire un petit tour quand même pour vous faire voir un peu la Warframe entièrement, parce qu'elle est très jolie, et très sexy. Ouais, ouais, ouh, petite robe déchirée, petit porte-jartel. Oh oh oh, Banshee est redevenue coquine. Banshee est devenue un peu du coq à l'âne, puisque avant elle était... pas belle, et maintenant elle est super belle. Maintenant elle est prête à aller draguer, il n'y a pas de problème. Donc bref, on va aller faire un petit tour, donc on va aller dans le custom pour vous faire voir un petit peu. Et donc du coup, vous voyez, en fait ce skin s'appelle le skin Sopra... Non, pas Soprano. Soprana. Eh oui, c'est la fille à c'est la femme à Soprano. Eh oui, allez, il a une petite femme, il lui dit tiens, moi je m'appelle Soprano, t'appelleras Soprana. Bref, je suis dans un délire. Donc, non, blague à part, très joli, voilà, c'est, de toute façon, on l'avait déjà vu dans les dev streams, hein, c'est plutôt beau, de toute façon, les skins de luxe sont vraiment intéressants. C'est vrai qu'elle fait un peu sexuelle maintenant, vu qu'elle a des petits portes jartelles, enfin, voilà, en plus, bon, je ne sais pas trop si c'est sa peau, mais si c'est sa peau, ça lui fait une peau bleue, ça fait bizarre. Mais je ne crois pas, puisque si je change la couleur, je veux dire, on peut pas lui changer la couleur comme ça, elle n'a pas une couleur de peau qui change tous les jours. Donc non. Bon, du coup, c'est vrai que, donc voilà, là, on a le casque ici. Donc l'aspect total qui est là, puisque moi j'avais l'immortel, donc vous voyez, donc ça c'est l'aspect immortel. Qui reste authentique, enfin authentique, qui reste joli aussi l'immortel, mais sincèrement, bon, le skin évidemment Deluxe Soprana est beaucoup plus sympa. Ensuite, donc la para, voilà, donc comme ça, ça nous permet d'aller la voir d'un petit peu plus près. Voilà, donc ça c'est le petit saut Banshee Soprana, yeah. Donc plutôt joli, comme je vous disais, bon après, c'est pas le meilleur, c'est pas le plus beau. Mais bon, ça reste un petit sigil à mettre tranquillement avec ses petits seins juste là, voilà, qui sont tout petits, tout mignons. Regardez de profil, elle est quand même assez plate, hein, donc imaginez les tétons, c'est des piqûres de moustiques. bref, du coup, on a eu ça, et dans cette petite mise à jour de skin, on a eu également le Sonicor. Donc le Sonicor, voilà, donc... ça c'est le nom, je ne me rappelle plus, donc on va voir tout de suite. Le Cliona. Le Cliona, le Sonicor Cliona en aspect. Qui est vraiment très joli aussi. Hein, bah, c'est beaucoup plus, si vous voulez, c'est beaucoup moins brut. Hein, c'est pas comme si on le prend de base. Bah voilà, Sonicor. Voilà, bon, de base, voilà, c'est une arme qu'on pouvait dire, ouais, elle est jolie. Après, moi j'avais mis le festif à l'époque. Donc le festif, ça a commencé à mettre quelque chose de plus sympa aussi. Mais là, du coup, effectivement, l'aspect Cliona est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus fini. C'est assez très joli. Voilà, voilà. Donc, pour cette petite vidéo, pour vous avoir présenté ce petit skin de Banshee. Et oui, on dirait qu'elle a un casque sur les oreilles, qu'elle est en train de parler, quoi. Oui, bonjour, je suis de France Télécom. Bref, non. Mais bon, voilà, c'était pour vous faire voir un petit peu ce skin. D'ailleurs à l'achat je ne sais plus combien c'est collection Banshee, donc voilà, donc 250 PL si vous voulez avoir tout le set, hein, voilà, si vous êtes prêt à l'acheter à 250 PL, et ben voilà, il sera pour vous. Donc eh bien écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette petite vidéo sur la présentation de Banshee vous a plu, et on se retrouve très très vite. Allez, je vous laisse, c'était KCX, ciao ciao les amis.